tout de suite tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le kiki et que vous n'avez peut-être jamais osé demander à Marilène, les réponses après ça. Alors parlons-en du kiki. Alors le kiki nouveau est arrivé. Oui. Hein, regardez comme il est mimi. C'est le même que dans les années 70. Souvenez-vous, on a tous au moins une fois serré un kiki sur son cœur, avec son petit pelage. Comment non? Je suis sûre que si. Voilà, c'est mignon si, comme tout. Hein, Katia? Oui, oui. C'est quoi ce bruit que j'entends? C'est le cri du kiki. Ah, c'est le cri du kiki, ça? Ah, mais on aura tout fait dans cette émission aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le cri du kiki. Oui, oui, alors le kiki revient. Oui. Voilà, en cette rentrée 97. Bah oui, il avait disparu comme ça. C'était la marque Agena qui faisait ça au début. Et c'est Nounours qui ressuscite le kiki. Voilà. Alors vous avez le kiki nu qui coûte 99 francs. C'est que je suis. Le kiki nu, sert à quoi? Et alors maintenant, en cette rentrée 97, vous avez toute la nouvelle collection de petits vêtements qui ont été créés spécialement pour les kikis. On a toute la gamme avec les petites salopettes et tout qu'on devrait voir maintenant. Voilà, mais regardez comme c'est mignon. Et le kiki habillé coûte 138 francs. Est-ce que vous voulez savoir encore des choses sur le kiki? La taille. Tout le monde bah en cœur. Oui. Alors, on le refait. Voilà. Allez-y, posez votre Est-ce question. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose sur le kiki? Ah oui. Alors, le kiki a été présenté en janvier 79 au Salon du Jouet. Alors, gros succès immédiat, 200 000 kikis vendus. Et en 1980, c'était un véritable phénomène de société. Alors, en fait, on lui a créé après un grand frère de 45 cm. Ah, oh, joli. Maison, ah oui, bravo, Marilène. Bah, gardez-la à la maison. Hein. 80, Marilène, celui de 45 cm. On a fait un disque avec les plus belles chansons du kiki. Chanté par Bah, je sais pas, mais en fin de compte, il y avait les lampes de chevet, les dinettes, les t-shirts, tout ça. Bref, c'était une véritable star. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il est ressuscité. J'ai un scoop pour vous. Vous savez que je travaille tous les jours avec un kiki vivant. Non. Si, regardez, c'est la copie conforme. Il est mignon comme tout. Il s'appelle Alain Blanquet. Oui. Ah. Et c'est lui qui signe les reportages avec moi. Ah dans oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, quand on oui, maintenant que vous le dites, oui. Ah ben oui. Alors là, je vais vous demander. Content, oui. Silence, oui. Parce que vous allez entendre le cri du kiki. Attention, c'est parti. Ah, bah oui, effectivement, oui. Ah, il va être content, oui. Ça fait 50 ans. Voilà, c'est le kiki. Oui, bah d'accord. J'ai encore des nouvelles. On est fâchés avec tout le monde maintenant. Comme ça, au moins, il n'y a pas de soucis. Non, on l'a bien reconnu. Après les kikis, je vous parle des dinosaures. Vous êtes d'accord? Bah oui, allez-y. Alors qu'au mois de novembre, les dinosaures vont déferler sur tous les écrans. C'est le nouveau Spielberg, le monde perdu qui va. Michael Crichton. Bien sûr. Eh bien, pour le magazine, je vais y arriver, Image Doc, propose un spécial dinosaure. Oui. Voilà, avec 30 pages, avec 65 pages et 30 francs, le petit magazine, j'ai du mal. Hein. Là, c'est le kiki qui vous trouble. Oui, c'est le kiki qui m'a troublé. 20 cm plus 40 cm. Voilà. Donc, c'est pour les 8-12 ans. Oui. Et c'est un numéro spécial, je le disais, qui vous fait faire un bond en arrière de 200 millions d'années. Vous avez tout savoir sur les dinosaures. Vraiment, à l'intérieur, c'est très détaillé. Est-ce que vous savez combien de temps les dinosaures ont dominé la planète? Une question, au hasard, allez, au hasard. Je sais pas moi, 200 millions d'années? 165 millions d'années. Ah bah vous étiez pas loin, Jean-Luc. C'est merci, madame. Voilà, j'ai tout dit sur le kiki et le dinosaure. J'espère que j'ai été claire. Arrêtez avec votre kiki, s'il vous plaît.